Donc, séance du dimanche 29 mars 2020, série d'exercices de probabilité. Alors, on va commencer par le plus simple. Enfin, le plus simple, ils sont pas compliqués en fait. Alors, le premier dit ceci: Gabriel possède 2 dés tétraédriques équilibrés. Il lance les 2 dés et note la somme obtenue. Déterminer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Alors, comment tu traites ce genre d'exercice? Bah déjà, je définis l'univers. Ouais. Alors, j'étais pas sûr de vraiment de ce que c'était un dé Et bien, tétraédrique. comme c'est indiqué, en fait, c'est un dé qui a 4 faces. Et D'accord. donc, les faces sont, c'est vrai qu'ils auraient dû spécifier. Les faces sont numérotées de 1 à 4, en fait. Ah, il n'y a que 4 chiffres du coup. Voilà. Alors, j'en ai mis 6 dés. Ouais, parce que tu as pris un dé normal. Oui, voilà. Voilà. Alors, du coup. Alors du coup, j'ai défini l'univers. D'accord. Je le dis ou pas? Vas-y. Bah, du coup, pour ce dé-là, ce serait égal à 2, 3, 4, 5, 6, 7 Très bien. et Jusqu'à... 8. Ah oui, d'accord, parce que là, tu te corriges. Oui, je me Ok. corrige là. Tiens, très bien. Donc jusqu'à C'est aussi 8, vrai. puisque ça fait 4-4, ok? Donc Ouais. ça, c'est le nombre de cas possibles, hein? Oui. C'est le nombre de sommes possibles, donc on va l'écrire. Donc, on va l'écrire ici. Alors, donc, oméga, on a dit que c'est 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. D'accord? Oui. Ok. Ça, c'est ce qu'on appelle ça, donc parce qu'on s'intéresse à déterminer la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Alors, donc ça, ce n'est pas tout à fait l'univers. Parce que ça voudrait dire que cet univers-là compte 2, 4, 7 éléments. Ce n'est pas tout à fait l'univers. Ça, je dirais, ça, c'est plutôt. C'est les sommes possibles que l'on peut avoir. Mais avoir le 2, on peut l'avoir en ayant le 1 et le 1. Mais Oui. attention, avoir le 3, on peut l'avoir en ayant le 1 et le 2. Mais on peut aussi l'avoir en ayant le 2 et le 1. Donc ça, ce n'est pas l'univers. Ah. T'as compris? Oui. Voilà. Donc dans le cas d'un dé, comme ici, on lance 2 dés. On peut soit utiliser un arbre, soit utiliser ce qu'on appelle un tableau à double entrée. C'est beaucoup plus pratique. Et voilà ce que ça ferait. Donc voilà ce que ça ferait. Donc ici, j'ai mon tableau. Donc là, je vais indiquer, ça c'est mon premier dé. Et ça c'est mon deuxième dé. Et donc là, je vais indiquer toutes les possibilités. Donc là, j'aurai forcément le 1. Le 1. Le 2. Le 3 ou le 4. Idem pour l'autre dé. OK. Le 1, le 2. Le 3, le 4. Donc ça, si tu veux, c'est le dé 1, dé 2. Alors ici, dé 1. Et là, dé 2. Le D1, on peut avoir le 1, 2, 3 et 4. Le D2, on peut avoir 1, 2, 3 et 4. Et là, tu vois que le nombre de cas possibles, c'est 4 fois 4. Voilà. Donc le cardinal de oméga, c'est-à-dire le nombre de résultats possibles, c'est 16 résultats. Alors que, Ben oui. oui, parce que tout à l'heure, tu as fait 3, mais on peut avoir 3 comme ça, comme je l'ai dit, mais on peut aussi avoir 3 comme ça. Donc là, Oui. on va remplir le tableau. Donc là, ça me fait 2. Et ainsi de suite. Voilà. Et maintenant, on détermine la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 5. Donc pour obtenir un nombre supérieur ou égal à 5, donc il suffit de tracer la diagonale ici.
je trace une diagonale ici, je vois que tous les nombres qui sont de part et d'autre de cette diagonale sont Sont égaux. supérieurs ou égaux à 5. Donc il y a Oui. combien? Voilà. Donc il y a, ben, en fait, il y a ceux-là, ceux-là. Donc ça fait combien? Il suffit de les compter, en fait. Donc là, ça te fait Oui. 4. 4 et 4, 8. Et là, ça te fait donc 3 et 2. D'accord? Donc ça te fait combien de résultats? Alors la probabilité d'obtenir donc un résultat supérieur ou égal à 5, on sait que mon dénominateur, c'est combien? Ah non, 16 du coup, 16. oui. Oui. J'ai mal du coup, non. C'est 16. Et donc là, tout ce qui est supérieur ou égal à 5, donc là, ça fait 4. Là, ça me fait 3, donc là, ça fait 7. 7, 7 et 2, 9 et 1, 10. Donc ça me fait D'accord. 10 sur Sur 16, 16. soit 5 sur 8. Oui. D'accord? D'accord. Je ne me trompe pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. OK? Voilà. Donc fais attention, ici, l'univers, ce ne sont pas les... Ce ne sont pas, tu as fait que les sommes possibles. Or, il y a plusieurs fois où j'ai 2, 3. Il y a deux fois où j'ai 2, 6, etc. D'accord. OK. Oui. OK. Alors, on passe. On passe au suivant. Alors, cette fois-ci, on dit une pièce équilibrée porte une face avec la lettre X et une face avec la lettre Y. On lance trois fois de suite la pièce en notant à chaque fois la lettre obtenue. Le résultat est le mot formé avec les trois lettres. Faire un arbre pour représenter l'expérience. Donc là, il faut savoir faire un arbre. Donc ici, l'arbre, les trois premières branches, c'est... Pardon, il y a deux lettres, hein. Donc c'est Oui, soit X, soit Y. voilà, soit X, soit Y pour la première, le premier lancé. Si j'ai X ou Y pour le premier lancé, j'aurai de nouveau X ou Y pour le second. Donc j'aurai X ou Y pour le second. Et enfin le troisième, pareil, j'ai, Y ou X voilà, ou Y. voilà, X, Y, soit X, Y, soit X. Voilà. Et après, on va compléter. Et donc là, j'ai mes résultats. Donc X, X ou Y. X, Y. Donc c'est ça un arbre, Oui. en fait. X, Y. Donc là c'est X. Il faut faire attention à ne pas se tromper de lettres. Bien écrire X, Y, X, Y, X, Y. D'accord? Première question. Ça c'est la première question. Deuxième question. Déterminer la probabilité d'avoir un mot contenant trois fois la même lettre. Est-ce qu'on est d'accord? J'ai au total combien de résultats possibles? J'ai 2 fois 2 fois 2, n'est-ce pas? J'ai 2 fois 2 fois 2, soit 8 résultats possibles. Est-ce que ça va? Ça, c'est mon dénominateur. OK. Et maintenant, je vais trouver mon numérateur. Je veux trouver tous les mots qui contiennent trois fois la même lettre. Alors, je les réécris pour bien les voir. Trois fois la même lettre, c'est Y, 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 X, 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 et c'est tout. C'est pas 2 fois 2 fois 2. C'est ce que j'ai dit. Deux fois, deux fois. Deux. Ici, oui. Ici, oui. C'est ça que tu veux dire? Oui, Oui. Donc là, oui. c'était juste. Oui, bien sûr, c'est bien. C'est deux fois, deux fois, deux. Oui. Donc ici. Il y a combien de mots qui comportent les mêmes lettres? Il n'y a que la possibilité de quoi? XXX et Y, YYY. Y, Y. Donc cette probabilité-là, C'est 2 sur 8. voilà, 2 sur 8 égale à 1 quart. D'accord? D'accord. OK. Après, tu apprendras aussi
Tu apprendras à manipuler. Bon, donc là, tu as compris, on cherche le nombre de cas favorables, le nombre de cas possibles, on fait le rapport. Mais ici, lorsque je lance ma pièce, elle est équilibrée. Ça veut dire que la probabilité d'avoir x, c'est 1,5. Probabilité d'avoir y, c'est 1,5. Et cette probabilité-là se répète. Mais bon, en seconde, c'est peut-être une situation que vous n'allez pas voir cette année, mais je t'en parle quand même. Donc ici, 1,5, etc. Bon. Qu'est-ce que ça D'accord. veut dire? Donc avoir ici, quand tu te places ici pour avoir dans l'ordre y, x, x, il faut multiplier 1,5 par 1,5 par 1,5, ce qui te fait 1,5 à la puissance 3. Et Oui. ça fait donc 1 huitième. Et si tu compares, quelle est la probabilité d'avoir dans l'ordre y, x et X, x? C'est X. 1 sur 8. Oui. Oui. Et donc si j'applique ce schéma-là, avoir trois fois la même lettre, c'est avoir x, x, x ou y, y, y. Mais la probabilité d'avoir x au premier lancé, c'est 1,5 que multiplie 1,5 que multiplie 1,5 ou plus 1,5 que multiplie 1,5 que multiplie 1,5. Et on retrouve bien 1 huitième plus 1 huitième, ça fait bien 2 huitièmes et ça fait bien un quart. Okay. Mais pour le moment, nous, en seconde, on va simplement se contenter de déterminer le nombre de cas possibles et le nombre de cas favorables et on fait le rapport. Okay? D'accord. Très bien. Alors, on efface. Alors, cette fois-ci, c'est pareil. On lance trois fois de suite une pièce équilibrée. Donc, c'est soit pile, soit face. Alors, donc là, je le refais un peu plus rapidement. Donc là, j'ai pile ou face. Donc, 1. Pas terrible. Bon, mais tu as compris le Pas... principe. Ouais, tu as compris le principe. Donc là, c'est pile face. Face pile. Face pile. Face pile. Face pile. En fait, tu peux ne pas faire d'arbre, hein, c'est juste pour illustrer. Face pile. Face pile. Face pile. Ok. Donc, quelle est la probabilité d'avoir trois faces? Trois faces, il y a combien de C'est résultats qui débouchent trois faces? Un seul. un. Donc la probabilité d'avoir trois faces, j'appellerai ça P1, est égale à 1 sur 8. Oui. Pourquoi 8? Parce que il y a deux Il y a choix pour le huit. premier. Voilà, il y a huit cas possibles. 2 fois 2 Oui. fois 2. Ok. Ce qui fait 8. Probabilité que le deuxième lancer soit face. Qu'est-ce que ça veut dire que le deuxième lancer soit face? C'est Que soit le... avoir face puis pile. Pardon, face puis face, Soit pile puis face. voilà, ou pile et face, d'accord? Oui. Pardon, non, non, j'ai trois lancers, excuse-moi, j'ai trois lancers. Donc là, c'est à voir, parce que là, j'en ai mis que deux, hein. Donc il faut que je corrige, parce que j'en ai trois. Eh oui. Donc il faut Oui, mettre le oui. troisième, d'accord? Donc, bien sûr, là, je peux utiliser mon arbre, hein, ça va plus vite, Oui. mais là, je pense que tu vas mieux comprendre. Alors, donc on me dit probabilité que le deuxième soit face. Le premier peut être face, le deuxième face, le troisième peut être face. Donc j'ai Face, bien le oui. deuxième qui est face. Je peux aussi Oui. avoir face, face, puis pile. Pile. Le deuxième est bien face. D'accord. Ensuite, je peux avoir quoi? Pile, face et pile. Le deuxième est bien face. Et enfin, je peux avoir pile, face et face. Et on les retrouve dans l'arbre. Oui. Ça me fait donc quatre résultats favorables. Donc Donc c'est là, 4 sur 8. voilà, c'est 4 Égale sur 1 8, demi. 1,5. OK? Oui. D'accord. C'est logique puisque au deuxième lancer, je peux avoir soit 4 faces, soit 4 piles. J'ai au total 8 résultats. Donc ça, c'est prévisible. Mais bon, on le voit encore une fois directement sur l'arbre en repérant tous ces résultats-là. OK? D'accord. Ensuite, probabilité que le troisième lancer
soit différent du premier. Ça veut dire, si le Ah premier, oui, d'accord. voilà, si le premier est face, le deuxième peut être soit face, mais le troisième peut être que pile. Pile, oui. Le premier est face, le deuxième Pile. pile et le troisième toujours pile, puisque le troisième doit être différent. Oui. Donc le premier, ça peut être maintenant pile, le second face et le troisième doit être forcément quoi? Face. Voilà. Le premier pile, le second Pile. voilà et le troisième obligé. Face. Voilà. Et donc ça fait encore une fois quatre résultats possibles. 1 sur 2. 1 sur 2. OK? Oui. C'est parfait. Au restaurant scolaire, les élèves ont le choix entre deux entrées, artichaut ou betterave, entre trois plats, je ne sais pas si ça se fait encore, cheval, daube ou escalope. Hein? J'ai dit cheval de nos jours, c'est difficile. Déjà de la viande c'est tout juste, hein, cheval. Alors, entre deux desserts, fromage ou gâteau. Alors, le menu se compose toujours d'une entrée, d'un plat et d'un dessert, on est d'accord. Donc, pareil, on peut faire un arbre, mais ici on peut s'en passer, puisque d'abord, il y a combien de menus possibles? On a combien de choix pour l'entrée? Deux. On a deux choix pour l'entrée. L'entrée étant choisie, j'ai combien de choix pour le plat? Trois Trois. Le plat étant et choisi, deux. et voilà. Donc ça me fait combien de menus différents? 12. 12, voilà. On a donc 12 menus différents. Est-ce que ça va? Oui. OK. Oui. Maintenant, on me demande de en utilisant un arbre, représenter. Oui, bon, je ne l'ai pas fait. Bon, je vais le faire. Je vais le faire. Alors, on va faire un arbre dans lequel on va représenter toutes les possibilités. On a dit combien d'entrées? Deux. Donc, alors, deux. Alors, entrée, on a dit deux. Alors, entrée, ensuite plat. Plat. Et ensuite dessert. Dessert, il y en a deux. Oui. Je vais mettre des abréviations hein, pour les plats, enfin pour les articles. Voilà, donc l'arbre, il n'est pas top, mais voilà. Donc ici, alors, je vais passer un peu ça. Alors ici, on a dit pour les plats, c'est pour le plat, c'est artichaut. Artichaut, betterave. L'entrée, pardon. Pour le plat, c'est des escalopes. C, D, E. Et pour le dessert, c'est F, G. G. OK. Voilà. Voilà. FG, 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 et puis FG. OK. Alors, question numéro 2. Combien de menus différents possibles? Ça, on vient d'y répondre. 12. Hein? Deux choix pour l'entrée, trois choix pour le plat, puis deux choix pour le dessert. Probabilité qui comporte une escalope. Je regarde tous les menus. Donc, mon dénominateur, donc là, je l'appelle P.
je peux l'appeler PA. Donc mon dénominateur, c'est forcément toujours combien? 12.12, oui. Et mon numérateur, je regarde tous les menus qui comportent une escalope. Qu'est-ce que ça veut dire comporter une escalope? Ça veut dire avoir les deux entrées, d'accord? Et une escalope, donc un choix pour l'escalope. Et Et combien pour le fois deux. dessert? Voilà, et donc ça fait 4. Hein, je peux regarder le tableau, mais c'est plus facile de raisonner comme ça. Oui, c'est vrai. Voilà, ça fait donc 4. Et ça fait un tiers. D'accord? Oui. Maintenant, probabilité qui comporte de l'artichaut et du fromage. Donc j'écris P2. Toujours dénominateur, c'est 12. Oui. Donc, artichaut, ça veut dire que l'entrée, il y a un choix. Un choix, oui. Après, Le, c'est le, les trois. trois plats, très bien. Et puis le Et fromage, un un. choix. Voilà. Donc ça, c'est très bon de savoir décomposer comme ça va plus vite, en fait. Oui. Et donc, ça fait 3 sur 12, Trois. et ça fait un quart. C'est bon? Oui. Dernier cas, qu'il ne comporte pas de cheval. Donc en fait, on supprime le cheval dans le menu. Et qu'est-ce qui me Donc reste? on Les deux entrées. deux Il me reste plats deux plats, parce que je ne veux et pas deux de... desserts. Voilà. 2, 4, 6. 2, 4, 8. Et donc ça fait P3 égale 8 sur 12. Sur 12. Ça fait 2 sur 3. Voilà. Bien comprendre cette D'accord. structure. Okay? C'est un raisonnement. Il faut... Oui. Voilà. Ça, c'est du dénombrement. Alors après, si vraiment tu vas approfondir et apprendre à dénombrer, si tu vas sur YouTube, tu tapes dénombrement et tu vas tomber sur un des cours que j'ai fait il y a pas mal de temps et ça t'explique exactement. Mais bon, j'ai abordé tous les cas possibles et donc là, Oui. ça peut effectivement ça peut t'aider. C'est D'accord. pour la suite. Il n'y Oui. a pas d'urgence. Ok. Donc là, c'est bon pour cet exo 40. Oui, c'est bon. Ok. Ça roule. Alors après, on continue. Alors, ici, nous avons un groupe de quatre amis, Émile, c'est un garçon, hein, ça? Ouais. Oui. Oui. Émile, Zora, Gaston et Hélène sont dans un bateau. Ils tirent au sort celui qui va ramer et parmi les noms restants, celui qui va écoper. Alors, on va représenter ça par un arbre. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc au départ Quatre personnes. voilà, les quatre, donc les quatre navigateurs, si on veut. Navigateurs du dimanche. Donc, voilà, un, deux, trois et quatre. Ensuite, bien sûr, il n'en restera plus que. Il n'en restera plus que. Deux, Ah non! trois. Eh oui, parce que y a, Oui, c'est apparemment, bien sûr que je y a un disais. seul qui rame, à moins maintenant qu'il soit Oui. deux. On est d'accord? Oui. D'ailleurs, c'est bizarre. Ouais, il y a un seul qui rame. Un seul qui Voilà, rame. donc là, il y en a trois. D'accord? Oui. Voilà. Enfin, donc là, je vais détailler, je vais descendre un peu. OK. Donc là, on va dire que c'est Émile. Alors, on va commencer par Émile. Zora. Alors, je vais mettre les garçons en même temps, comme ça. Émile, Gaston, Zora et Hélène. Donc là, s'il y a Émile, il y a forcément après Gaston, Zora, Hélène. S'il y a Gaston, il y a Émile, Zora, Hélène. S'il y a Zora, il y a Émile, Gaston, Hélène. Et s'il y a Hélène, il y a Émile, Gaston, Zora. D'accord? Oui. OK. Déterminer les probabilités suivantes. Déterminer les probabilités suivantes. Donc, C'est un garçon qui rame. voilà. Alors, qu'est-ce que tu dis? Alors moi, je dirais 2 sur 4. C'est un Parce gars. Oui. que... Ouais. Comment? Oui, vas-y. Parce qu'il y a deux garçons et deux filles, et qu'ils sont quatre en tout. D'accord.
Tu dis 2 sur 4. Oui. Est-ce que tu es d'accord que on va d'abord trouver le nombre de répartitions possibles? Le nombre de répartitions possibles, c'est 4 fois 3, ça fait 12. Donc Oui. ça c'est mon dénominateur. Ah oui, c'est vrai. Tu me suis ou pas, Geoffrey? Oui. Ça c'est mon dénominateur, c'est le nombre de répartitions. Je peux avoir Émile qui rame et Gaston qui écope. Je peux avoir Oui. Émile qui rame et Zora qui écope. Donc Oui. ça me donne tous les résultats possibles. Donc au total, il y a bien 12 là. 4, voilà, on est d'accord, 4 fois 3 répartitions, 12 résultats, 12 issues possibles, 12 répartitions possibles. Oui. Bien. Maintenant, c'est un garçon qui rame. Ça veut dire je vais trouver le nombre de cas favorables dans lequel il y a un garçon et le reste, et des filles, en fait. Oui. Donc ici, pour le premier, j'ai combien de choix pour les garçons? Deux. Deux. Et le garçon étant choisi, comme je veux que les garçons, comment dirais-je, rament, ça veut dire que les Un. garçons, ce garçon-là, je ne le retrouve pas ici. Je Oui. retrouve pas de, je retrouverai pas de garçon ici, puisque les garçons ont dit que les deux. Ah oui. Alors, il y a une petite. J'ai mal lu. C'est les deux qui travaillent de même sexe. Ça veut dire que celui qui rame et qui écope est de même sexe. Ah. Ouais, j'ai mal lu. D'accord. Bon, toujours est-il, il Oui. y a toujours 12 répartitions possibles. Oui. Donc, il faut que ceux qui travaillent sont de même sexe. Donc, il faut avoir garçon-garçon ou fille-fille, en fait. Oui. Donc là, il y a 12 résultats possibles, là, il n'y a pas de problème. Et je regarde où j'ai. Donc, j'ai Émile Gaston. Il faut rajouter deux sorties, non? C'est-à-dire. À chaque fois. Non, Pour les deux personnes qui ne font rien. Ah non, la répartition, c'est celle-là. En fait, Ok. la répartition, c'est celle-là. C'est soit Émile qui rame, les autres, ils écopent. Soit, voilà, donc Oui. ça, c'est la répartition. Il y a 12 répartitions possibles. Maintenant, je m'intéresse, les deux qui travaillent sont de même sexe. Donc, j'entoure la situation où j'ai deux qui travaillent de même sexe. Donc, j'ai ce cas-là, Émile Gaston. Gaston, oui. J'ai Et Émile, Gaston et Émile. Gaston, Émile. Et c'est tout. Et c'est tout. Alors, non, mais ça, c'est les de même sexe. Ça, c'est les Oui. garçons. Maintenant, les filles. Oui. Ah, Ah oui. chez les filles, ce serait Voilà. Zora, Nora Zora, Zora, et Zora, Hélène. Zora, Hélène. Donc ZTH. Voilà. Et Et puis, Hélène et Zora. voilà. T'as compris? Et donc, la Oui. probabilité que l'on cherche, petit p 3, c'est 4 sur 12. Un tiers. Donc celui-là est un petit peu délicat. Oui. Il faut bien le lire, en fait. Oui. Hein, il est un peu piégeant. Tu vois, d'emblée, toi, tu as dit, c'est un demi ou je ne sais pas comment tu as raisonné, parce que tu n'as pas construit ton arbre et tu n'as pas visualisé la situation. Oui. Là aussi, on n'a pas une lecture immédiate. Les deux Oui. qui travaillent sont de même sexe, ça veut dire que si c'est un garçon qui rame, c'est un garçon qui écope. Si D'accord, c'est oui. une fille qui rame, c'est une fille qui écope. OK? Oui. Voilà, ben c'est bien. Très bien. OK. Alors, une entreprise fabrique des ordinateurs. Ils peuvent présenter deux défauts. Alors, ici, les défauts, ils sont répertoriés. Ici, on dit que E, c'est le défaut d'écran. D'accord, D'accord? C'est très important de nommer les événements parce que c'est très facile, c'est plus oui. facile de calculer après. Donc ici, l'événement E, c'est avoir un défaut d'écran. L'événement C,
Comme indiqué, c'est avoir un défaut de clavier. Oui. Oui. À vrai dire, mon ordinateur, il a les deux défauts. Voilà, Oui. je parle d'humain. Alors, donc une entreprise. Alors, une étude statistique montre que 2% présentent un défaut d'écran. Donc, comment je traduis ça? 2% présentent un défaut d'écran. Que, y a 2% de Oui, chance mais comment je que... traduis? Comment je traduis? Ah, en maths. Oui, en écriture, oui. Alors, ce serait P Très de bien. E Et égale 2 quoi? sur 100. Voilà. P Oui, de... c'est juste. Oui, Oui, exact. c'est bien ça. Oui. Ça veut dire P de E égale 0, 0, 2. Oui. 2,4% présentent un défaut de clavier. Donc c'est P2C Très bien. égale... Alors c'est 2,4 sur 100, donc 0,024. Très bien. OK. Et après, présente les deux défauts. On a expliqué ça la dernière fois. Hein? Donc c'est P de E inter Très C bien. À la fois le défaut écran et et... le défaut clavier. Et le et, c'est inter. Oui. Si on avait dit au moins un défaut, au moins un défaut, on aurait dit où? Union, oui. Voilà, très important. Donc ici, alors on a P dit, de E inter C voilà, E inter C. Et ça. égale 0,015. Voilà. Ça va? Très Oui. important, parce qu'on probe, quand on a un exo, ce qui arrive, certains ont des difficultés, surtout quand ils débutent hein, en faisant des probas, c'est interpréter les énoncés. Mais une fois qu'on a bien codifié, une fois qu'on a bien traduit nos données, après on applique nos règles et c'est relativement facile en fait. Alors, Oui. on choisit au hasard un ordinateur. Définir une loi de probabilité pour modéliser ce tirage. Définir une loi de probabilité. Ça veut dire quoi une loi de probabilité? C'est envisager toutes les possibilités, en fait. D'accord. C'est-à-dire, l'ordinateur, je vais faire un tableau ici, et tu me diras. Là, je vais faire un tableau. Là, je vais mettre mes événements. Je vais mettre mes événements. Alors, regarde bien. Là, j'écris le type de défaut. D'accord? S'il y en a. Et là, je vais écrire la probabilité que j'appelle PI. P1, P2, je vais trouver des probabilités, tu me suis ou pas? Et une Oui. loi de probabilité, c'est lister toutes les probabilités possibles. Mais pour que ce soit une loi de probabilité, il faut que la somme soit égale à combien? 1. Oui, Donc là, je oui. vais faire le total. Là, ici, je vais faire le total. La somme. OK? Donc, Oui. je vais lister tous les événements possibles. D'abord, l'ordinateur, Un défaut aucun de... défaut. Je commence Ah, par aucun défaut. et j'écris ça A bar. Rappelle-toi, inter Oui. C bar, tu te rappelles? Oui. Ensuite, il peut avoir que le défaut A. Oui, d'accord. Ensuite, il peut avoir que le défaut C. À barre, inter C. Très bien. Et il peut avoir les 2 à défauts. inter C. OK. Pour le moment, la seule valeur que j'ai ici, c'est 0,015. Après, c'est... Alors, c'est pas E à la place de A, normalement. Comment? Normalement, c'est pas E à la place de A. Alors, oui. Merci, Geoffrey. C'est bien. Alors, donc, je vais corriger.
Donc ici, E bar inter C bar, E inter C bar, E bar inter C et E inter C. Et ici, on avait calculé 0,015. Voilà. Donc en fait, alors je me demande, est-ce que vraiment c'est ce qu'il demande dans le cadre d'une loi de probabilité? C'est pour répondre à la question. Donc là, il faudrait que j'ai A. Donc, en fait, on va le voir comme ceci. On regarde bien. Rappelle-toi ce qu'on a fait la semaine passée. Ici, on avait écrit. Oui. Rappelle. Oui. Voilà. Donc là. Donc à la limite, ce tableau-là, je pense que j'en ferai l'économie. Donc là, j'écris le total. Donc là, soit j'ai E. Hein, rappelle-toi, soit on a écran ou bien E bar. Oui. Soit on a clavier C bar. D'accord? Oui. Donc c'est plutôt là comme ça qu'il faut le faire parce que ça ne répond pas tout à fait à la question. Et là, je vais les totaux. D'accord? Et là, j'ai les totaux. Donc ici, je sais que la probabilité qu'il ait un problème d'écran, c'est 0,02. Oui. D'accord? Donc forcément qu'il n'ait pas de problème d'écran, 0,98. Qu'il ait un problème de clavier, c'est 0,024. Voilà, 0,024. Qu'il n'ait pas de problème de clavier, 0,076. Non, 0,967. 9. Ah oui. Ok. Oui. Okay. Qu'il ait les deux défauts. Oui. C'est 0,0. Oh, c'est l'addition des deux. Non. Voilà. Ah non, c'est vrai, on voilà, a vu. Il y a ça. Voilà. Oui, c'est pas la somme des deux, justement. Oui. Et maintenant, je fais la somme. Je fais par soustraction. Là, j'ai 0,02 moins 0,015, ce qui fait 0,013. Non. 0,02 moins 0,015. Oh là. Ça fait moins. Non, ah non. Bah non. Non, 0. Ah non, c'est. Oui, donc 0,005. Voilà. 0,015, ça te fait du 0,05. Oui, encore 0. 5. 0,005. Voilà. D'accord? Oui, je suis embrouillé. Voilà. 5. Et là, 0,024 moins 0,015. Ça fait 0,009. OK. Et enfin, donc là, j'ai 0,98, ou alors je fais la soustraction ici, ça fait 0,971. D'accord, oui. Donc voilà, voilà un tableau complet. D'accord. T'as compris comment je l'ai complété, ça va? Oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc là, je peux ignorer. Alors ensuite, on me dit, j'ai pas très bien compris la façon dont ils ont structuré l'exercice, déterminer P de E, P de C, mais ça on le sait. Oui. Je comprends pas le. C'est pour ça que c'est bizarre leur question. Oui, c'est vrai. Voilà. Après, bon, l'important c'est
C'est ce qu'on fait des réponses. Alors, on considère les événements suivants. L'ordinateur présente au moins un défaut. Alors, qu'est-ce que tu dis? Comment je traduis ça? Présente Au au moins, moins un défaut. oui. Qu'est-ce que ça veut dire présente au moins un défaut? Ça veut dire Oui. comment dire? Ben, c'est On qu'il a l'a au moins vu la dernière fois. Au moins faire un un défaut. arbre. Non, non. Ça, c'est un truc classique. Au moins un défaut, ça veut dire la probabilité qu'il ait, faut pas oublier ça, qu'il ait le défaut d'écran ou Mignon, oui. le défaut de clavier. Ça, c'est au moins un défaut. Je répète. D'accord. Je répète le. Ça, c'est les deux défauts. Tes défauts. Les deux. Oui. Ça. Vas-y, c'est quoi celui-là? C'est juste le C, Très qui est bien. là le C. Le seulement le défaut C. Le défaut C, le défaut clavier seul. Seulement un défaut de clavier. D'accord? Et Oui. cet événement? C'est le seulement le défaut E, donc le défaut d'écran. Voilà, seulement un défaut d'écran. Et enfin, le dernier. Ça, c'est les aucun défaut. Aucun défaut. Voilà. OK? Oui. Voilà. Maintenant, j'applique mon cours. Rappelle-moi à quoi est égal P de E union C. Allez. Ah oui, ça, j'ai pas le droit de dire. P de E union C égale. Égale quoi? Alors, Ouais. E union C. Donc c'est égal Non, pas de chiffre. 0,0. Non, d'abord, P de E union C, Ah. c'est égal à quoi? Alors c'est E bar 1. T'as pas appris ton cours, Geoffrey. Je suis désolé. T'as pas appris ton cours. P de E union C, tu dois me dire ce que c'est. On a vu, tu regardes ton cahier, tu vas voir P de A union B. Eh oui. Ah oui, il faut apprendre son cours. P de A union B. Alors, je reviens. Si les événements sont incompatibles, P de A union B, c'est P de A plus P de B, tu te rappelles, c'est comme ça qu'on a défini une probabilité. Oui. Et après, plus bas, ah zut, où est-ce que je l'ai écrit? J'ai dû l'effacer. J'ai dû l'effacer. Ouais. J'ai dû l'effacer. Bon, j'ai dû l'effacer. Où est-ce qu'il est là? Non. Non. Ouais, j'ai dû l'effacer. Bon. Et on a écrit un peu plus bas. On a écrit donc juste un peu plus bas. Alors, on a écrit un peu plus bas. Donc ça, il ne faut pas l'oublier, Geoffrey. Hein, c'est très important. N'oublie pas. Quels que soient les événements A et B, ne l'oublie jamais. Quels que soient les événements A et B, probabilité de A union B est toujours égale à la probabilité de A plus la probabilité de B. En plus, tu le savais. Toi-même, tu m'as dit on compte deux fois l'intersection. Je me rappelle. P de A plus P de B. Ah oui. Eh oui, je me rappelle. Il ne faut pas l'oublier. Il faut l'oublier, il faut l'employer dans un contexte. Oui. Voilà, et ça, c'est important. Et Et c'est donc, à l'intérieur et rappelle-toi, B. si les événements A et B sont incompatibles, cette valeur-là est égale à combien? À 0, et il me reste P de A plus P de B. Donc, au moins un défaut, au moins un défaut, c'est-à-dire le défaut A ou le défaut B, c'est la probabilité d'avoir le défaut A, plus la probabilité d'avoir le défaut B, moins la probabilité d'avoir les deux. Est-ce que ça va? Donc Oui. ici, la probabilité d'avoir au moins un défaut, alors je t'écoute, ça serait donc P Donc de c'est quoi? égal à P de E Excellent. plus Voilà. P de C Donc ça doit être automatique. moins P de E inter C. Voilà. Ça, ce résultat-là, tu dois l'avoir, il doit sortir automatiquement.
Oui. Okay. Et maintenant, nous avons tout. On a tout. P de E, on le connaît. P de E, c'est combien? C'est 0,02. P2, c'est 0,02. Voilà. Ensuite, plus Plus P2C. 0,024. Voilà. Et moins 0,015. Très bien. Alors, fais-moi juste l'opération, si tu veux bien. Ça fait donc combien? Alors, 0,44 moins 0,15, 0,35, oui, Prends ta calculette. 0,29, 0,029, je crois. J'espère. Je vais faire avec la Vas-y. calculatrice. Alors. Donc 0,02 plus 0,024 moins 0,015. 0,15. Oui, c'est ça. 0,022. 0,029, oui. Parfait. Donc ça, c'est la probabilité que l'article ait au moins un défaut. Et si tu regardes bien, au moins un défaut, si tu fais, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, si on fait ça, et même je t'avais démontré, j'ai passé un petit peu de temps à te démontrer ça, tu te rappelles? Démontrer Oui. pourquoi on fait moins P de 1 tapé. Donc, si on Oui. fait ça plus ça, cette valeur-là, on la compte deux fois. Oui. Voilà, c'est pour ça qu'on... Oui, c'est vrai. OK. Alors, après, maintenant, j'espère que tu vas me déduire ça directement. Alors, regarde bien, je te laisse répondre. Présente que le défaut d'écran. Non. Ici, ici. Non, non. Là. Oui. Ah, que le... Ah, pardon, je pensais avoir lu aucun défaut. OK. Ah. Alors, l'ordinateur ne présente que le défaut d'écran. Donc il faut qu'il y ait que le P2E égale P2E. Non, il Donc faut... Ah, c'est ben, voilà. Non, il faut qu'il y ait E sans le C. moins. Oui. Donc c'est P2E une inter C bar. Alors, bien sûr, que le défaut d'écran, tu as raison, que le défaut d'écran, ça s'écrit P2E inter C bar. Alors, maintenant, je vais t'expliquer la méthode. Bien sûr, tu peux tricher et regarder le tableau ici, puisque Oui. P2E inter C bar, tu le lis directement. Voilà. 0,005, oui. Maintenant, je vais t'expliquer comment rédiger la réponse. D'accord. Voilà. Je vais t'énoncer alors, en seconde, je ne sais pas si on en parle, mais c'est bien de le connaître. On appelle ça le théorème des probabilités totales. Je t'explique. J'explique. Ça, c'est très important. Ça, tu en auras tout le temps besoin. Voilà. Regarde. Je prends le défaut écran. Qu'est-ce que ça veut dire le défaut écran? Ça veut dire le défaut écran et le défaut clavier, ou bien le défaut écran sans le défaut clavier. Est-ce que tu comprends ça? Tu regardes bien ici l'événement. Tu le comprends ici. Regarde, l'événement E, c'est quoi? C'est E inter C Oui. union E inter C E bar. inter C bar. Oui. D'accord? Oui. Ces deux événements-là, celui-ci et celui-ci, ces deux événements sont comment? Incompatibles. Oui. Puisque un élément, il ne peut pas. Oula! C'est ma fenêtre. Ah. Il y a un Ah. vent violent. Oui, nous On voit aussi, on a bien du. ici le donc E, c'est toujours E inter C. Tu vois le E, le E, le E. Alors je combine le E avec le C, union, et je combine le E avec le C bar. C'est bah oui. Et comme ces deux événements sont incompatibles, la Oui. probabilité, donc ça c'est très important, la probabilité, alors je l'écris avec une autre couleur, voilà, la probabilité de E, c'est la probabilité de E inter C plus
plus La probabilité T de E de E être. inter C bar. Voilà. Est-ce que je connais P de E? Oui. Oui. Est-ce que je connais P de E inter C? Oui. Oui. Et je peux déduire P de E inter C bar. Voilà comment je rédige la réponse. Et D'accord. donc je vais écrire quoi? P de E inter C bar est égal à quoi? À P de E. Intercé? Ah Non, P non, de E, plus. non, Oui, moins. plus. Moins. P de E inter C bar est égal à Ah, c'est P de E 4P. moins Voilà. P de E inter C bar. C, inter C, inter C. Voilà. Et oui, en regardant même, ça c'est pour rédiger, mais on le voit dans le tableau, pour trouver cette Oui. probabilité-là, c'est bien cette probabilité-là moins Moins. celle-ci. Oui. Voilà. Pardon, D'accord, oui, d'accord, excuse-moi. je vois. Pardon, pour trouver cette probabilité-là, P de, pour trouver cette probabilité-là, P de E inter C bar, c'est cette probabilité-là, P de E, Oui. moins celle-ci. Oui, Voilà. oui. Voilà, donc ça, tu le vois. Mais ça, c'est pour, je te dis, c'est pour que tu puisses rédiger. Oui, rédiger, oui. D'accord? Et D'accord. alors maintenant, on dit, donc P de E inter C. Alors, je vais prendre, parce que là, on ne voit pas très bien. Moi, j'écris P de E inter C bar égale P de E 0 0 2 moins P de E inter ah non oui P de E c'est 0 0 2 P de E inter C 0 0 15 ce qui donne le fameux ici on l'avait hein, on l'a ici dans le tableau Oui. mais moi, c'est pour te montrer comment on rédige la réponse. Cette valeur-là, Oui. je l'ai. Je la lis directement. Mais là, c'est pour Oui. te montrer comment on rédige la réponse. D'accord. OK? Oui. Alors, oh, du reste, il ne me demande même pas. Ah oui, là, il me demande de les traduire, donc j'ai fait. Et là, j'ai calculé, j'ai répondu à la question d'un seul coup, en fait. Oui. Bon. Alors, l'exercice, il manque quelque chose de très important, cet exercice-là, pour qu'il soit complet. Là, ici, j'ai déterminé la probabilité que l'article ait au moins un défaut. Et on a trouvé combien? La probabilité que l'article ait au moins un défaut. On a trouvé 0,029. Excellent. Est-ce que tu es d'accord que l'événement contraire de aucun défaut, au moins un défaut, c'est zéro défaut. Oui. Donc regarde bien. La probabilité que l'article n'ait aucun défaut, c'est E bar inter C bar. Oui. Ben, il faut que tu retiennes que cet événement-là et l'événement au moins un défaut sont des événements Égo. contraires. Contraires. Contraire. Oui. Au moins un défaut, le Ah contraire c'est oui, au aucun moins un défaut. défaut. Au moins un D'accord, défaut c'est oui. zéro, c'est un ou deux, et le contraire Oui. de un ou deux c'est zéro. Donc le Oui. contraire de au moins un défaut, c'est aucun défaut. Et donc on fait un moins au moins un. Et on calcule, ça me fait 1 moins 0,029. Et ça me fait 0,900. 71. Et je regarde mon 11. tableau, il est là, aucun défaut. Oui. Voilà. Ça, il D'accord. faut bien le voir. C'est très Oui. important de manipuler les écritures. Quand on dit traduire les énoncés, cette traduction d'énoncés est très importante en probabilité. Elle est essentielle. D'accord. Donc, retenir, quand j'ai deux événements A et B, retenir la chose suivante. Est-ce que je peux effacer pour te refaire un topo? Oui. Voilà, je te refais un topo, c'est très important. Alors, voilà ce qu'il faut retenir. J'ai deux événements A et B. Admettons que l'événement A, ce soit le défaut A, et l'événement B, c'est le défaut B. Donc j'ai l'événement A et j'ai l'événement B. Première situation, ça veut dire la probabilité que l'article et le défaut A.
Oui. J'écris même pas probabilité, j'écris simplement événement. Après, on met probabilité pour calculer, d'accord? J'écris événement. Oui. OK. Je commence. A, c'est avoir le défaut A. Avoir le défaut A. D'accord? D'accord. B, c'est avoir. Le défaut B. Voilà, avoir le défaut B. L'événement B, c'est avoir le défaut B. Quand j'écris A barre, ça veut dire Sans le n'a A. pas le, pas Enfin, sans, non, n'a pas le défaut A. oui. Hein, n'a pas le défaut A. Il a le C'est défaut ce que A. j'ai. Non, pas, sans le défaut A, ça veut dire qu'il peut avoir le B. Non. Ah, C'est ça qu'il faut. d'accord. N'a pas le défaut A. On ne se D'accord. préoccupe pas de B. D'accord? Donc l'événement A, c'est le contraire de. L'événement A barre, c'est le contraire de A. Donc, Oui, n'a d'accord. pas le défaut A. OK? N'a pas le défaut A. D'accord. OK? Très bien. Et après B barre, c'est pareil, n'a pas le défaut B. Maintenant, qu'est-ce que Oui. ça veut dire A inter B? C'est quel événement? Donc c'est A les deux, Très bien. avoir le défaut Très A et B. exactement. L'article A les deux défauts. Très important. A les deux défauts. OK. Ensuite, A barre inter B. Donc c'est n'a pas le défaut Oui, A. mais plus simplement. Voilà. Bah, a le défaut B. Seulement, non, pas A le défaut B, c'est ça. Seulement le défaut B. Il y a une nuance. Seulement le défaut B, A d'accord. le défaut B, c'est celui-là. D'accord. Seulement le défaut B, il n'a pas le défaut A et il a le défaut B. Une nuance. Il faut D'accord. bien comprendre la nuance. Hein. Le défaut B, seulement le défaut B. C'est pas pareil. D'accord. Okay. Donc ici, l'article a seulement le défaut B. Ou présente uniquement le défaut B. D'accord? D'accord. Ensuite, A inter B barre. C'est à seulement le défaut A. Voilà, l'article présente seulement le défaut A. Alors maintenant, attention. A barre inter, Interbéba. et c'est quoi ça? C'est ne présente aucun défaut. Aucun défaut. Eh bien, et ça enfin, C'est présente au moins un au défaut. moins un défaut. Eh bien, il faut savoir que la probabilité que l'article n'ait aucun défaut est égale à 1 moins la A égale B. probabilité que l'article ait au moins un défaut, ou inversement. Ou inversement, D'accord, la oui. probabilité que l'article ait au moins un défaut, c'est 1 moins la probabilité que l'article n'ait aucun défaut. Oui, OK. d'accord. Maintenant, dans un énoncé, on peut te donner par exemple, dans un énoncé, alors je vais te dire ce qu'on peut te donner. L'énoncé, on me donne ça. On me donne ça, P de A. On me donne A inter B. D'accord? On me donne A inter Oui. B. Et on me donne que ça. Et on me demande de calculer P de A inter B barre. C'est-à-dire la probabilité que l'article ait seulement le défaut A. J'ai simplement A inter B, et on me demande de calculer Seulement le défaut. seulement le défaut A. Alors, je vais appliquer ce que j'ai parlé tout à l'heure, le théorème des probabilités totales. Je dis, l'événement A, il est égal à quoi? À A inter B. Moins B bar, Non. moins B. Non, l'événement A, c'est A inter B Oui. plus A inter B bar. Ça, il faut le savoir, le retrouver tout de suite. Il y a le A. Le A, je le combine avec B. Ah, c'est pas Oui. plus. Je vais corriger parce que je pensais calculer une probabilité, mais là, je calcule les C'est événements. Non, moins. c'est pas moins. Non, c'est l'opération qui n'est pas bonne. Ici, c'est Ah. union. Et oui, parce que c'est des événements. Oui. C'est union. A inter. Ça, il faut vraiment bien le comprendre, même si je dois te réexpliquer. Alors, ah, je vais déborder, je vais faire un peu mieux.
je vais tout effacer. Alors, tout effacer. Alors ici, on a A égale A inter B, B union A inter B bar. Si jamais tu hésites, tu fais petit tableau là et tu verras tout de suite. Regarde. Tu fais un petit tableau et tu verras tout de suite comment ça se goupille. Regarde. Ici, tu as A. Là, tu as l'événement A. Là, tu as A. Là, tu as A bar. Là, tu as B. Et là, tu as B bar. Tu me suis? Oui. Eh bien, là, l'événement A, c'est bien A inter B. Tu me suis? Oui. Union. Voilà. Inter B bar. D'accord. Donc ça, ah, d'accord, oui. Là, tu n'as pas besoin de tableau. C'est juste pour te dire qu'au pire, tu oublies. Tu as toujours un tableau pour te rappeler comment on retrouve A. D'accord, oui. Et si je veux calculer B, je vais écrire quoi? B égale à quoi? A inter B, union, union A oui. bar inter B. Mais, oui. Ça va? Oui, ça va, oui. Ces deux événements-là, ils sont bien sûr incompatibles. Un élément, oui. Il ne peut pas être dans B et dans B bar. Oui. Par conséquent, je peux appliquer l'axiome numéro 2 de notre définition, la probabilité de A. C'est la probabilité de A inter B plus la probabilité de A inter quoi? B bar. B bar, oui. Et maintenant, après, je t'avais dit, comment fait-on pour calculer P de A inter B bar? Eh bien, il suffit de faire P de A moins P de A inter B. Ça va? Oui. Et donc, tu dis oui. D'où? P de A inter B bar égale à P de A moins P de A inter B. D'accord. Voilà. Ça, c'est un théorème que tu verras un peu plus tard, mais et même maintenant, tu peux tout à fait l'exploiter à tout moment. C'est-à-dire, on te donne P de A, on te donne P de A bar, et on peut te demander de déduire P de A inter B bar. Et A. D'accord. Tu as un petit oubli ici, ton petit tableau te rappellera les cas. Voilà. OK? D'accord. Ça va, ça a été? Oui. OK. Ah ben c'est parfait, ben je te dis donc la semaine prochaine peut-être les vecteurs, c'est ça? Oui. Je te dis, on revisite le cours et après, parce que le cours est assez long, hein, pour vraiment bien comprendre tout ce qui D'accord. est collinéarité, calcul des coordonnées, enfin il y a pas mal d'éléments qu'on doit revoir avant effectivement de s'attaquer au projet d'exercice. Et n'hésite pas à m'en photocopier d'autres, mais en les aplatissant bien, si tu peux, pour que je puisse les remettre. D'accord. Enfin, pour qu'elles soient visibles ici. Mais ça va, c'est exploitable en fait. Bah, j'essaierai de faire mieux. Non, mais c'est pas mal. Mais, voilà, mais là, okay. Là, déjà comme ça, c'est bien. D'accord. Ok, Geoffrey, à bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, au revoir. Voilà, à bientôt. Donc, ainsi s'achève notre cours et à la semaine prochaine. À bientôt.